Bien, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live brestonnais, un nouveau live Twitch avec du design encore amélioré. Tout est amélioré hein, d'ailleurs dans cette chaîne, sauf évidemment mes acolytes qui restent les mêmes, qui restent humbles malgré le succès. Yann, comment vas-tu ? Oui, bah oui, humble et puis surtout heureux du retour quand il vient, ça manquait. Hein. Oui, c'est vrai, un retour, bah d'ailleurs on va en parler, un retour agréable, donc ça qui ne gâche rien. Et Fange qui est de retour aussi, retour d'un week-end, enfin d'une semaine plutôt alsacienne. Oui, tout à fait, une semaine entre l'Alsace et l'Allemagne et de retour à l'autre côté, l'autre bout de la France, mais ça fait du bien de retrouver la maison. Ça fait du bien de retrouver le froid. Bah écoute, il faisait pas forcément beaucoup plus chaud là-bas. On a même eu, pendant le match Strasbourg-Angers à la Méno, là, il y a une pluie torrentielle, c'était assez incroyable. Alors pour ce... Alors je ne sais même pas combien tième c'est hein, comme live, mais on va parler Lyon, évidemment. On va essayer également parler de la petite querelle qui oppose le Stade Brestois à France Bleu Brésil avec Nicolas Blanzat. Yann, tu l'as eu au téléphone, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il sera pas directement avec nous, mais il sera en différé, ou dans les conditions du direct, comme diraient certains de nos amis journalistes. Et on parlera aussi un peu du derby qui s'annonce déjà le premier match de la saison à domicile. Ce sera dimanche à Francis Leblay à 15h pour le retour de la Ligue 1 dans une configuration, on va dire, avec un stade plein, ce qui est quand même assez agréable. Stade plein si les places se vendent, parce qu'il reste encore un petit peu, on en parlera, mais encore un petit peu de disponibilité. Tout à fait. L'occasion aussi de vous remercier d'être aussi présent et de nous suivre sur les réseaux sociaux, puisque comme Yann l'a magnifiquement designé, vous êtes désormais 2000 personnes à nous suivre sur Twitter, 2031 d'ailleurs, puisque quelques-uns se sont rajoutés à vous ces derniers jours. On en profite également pour dire que maintenant on est affilié Twitch, donc ça nous permet de pouvoir faire des emotes notamment, des sondages directement dans le chat. Et si vous voulez nous payer un café ou un iced tea, hein, n'hésitez pas à lâcher votre prime, messieurs, dames. Et pas un chocolat chaud avec de l'eau. Pour régaler, oui. Tout à fait. Mais par contre, n'allez pas nous donner de... Enfin... N'allez pas payer de l'argent propre. C'est-à-dire que si vous avez votre prime et qu'il ne vous sert à rien, voilà, ça peut être utile. Mais voilà, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Et en tout cas, je tiens quand même à rendre justice, puisque c'est Fange qui nous a offert ces beaux visuels, ce beau nouveau template pour une nouvelle saison. Ah, pardon. Pardon, et aussi, vous avez des nouveaux points de chaîne. Alors, on ne sait pas trop à quoi ils vont servir pour l'instant. Mais il y a un très beau point de chaîne avec le petit blason du SB29. Et on remercie. Le premier, NECP29, le fidèle, hein, parmi les fidèles, qui lâche son prime. Donc, un grand merci. Ça fait quelque chose. Oh là là, mais oui, c'est un fidèle parmi les fidèles et c'est beau que ce soit lui. Bravo, merci. Il y a peut-être le moyen de le mettre VIP ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Oui. Alors, passons directement quand même à discutons de ce Lyon-Brest, un premier match de la saison. On s'attendait à pire, largement pire, notamment à cause de ce qu'on avait vu en match de préparation, notamment toi, Yann, qui avait vu l'écrasante majorité des matchs de préparation. Et au final, on a été plutôt agréablement surpris par une équipe de Brest solidaire, entreprenante même parfois, notamment en début de seconde période, et qui a bien utilisé ce que Lyon nous a donné. Oui, et puis... On a bien utilisé ce que Lyon nous a donné, mais on est aussi allé les chercher sur les domaines où ils n'étaient pas prêts, visiblement. Ça s'est vu, notamment sur les côtés. On a vu que Lyon s'était à la ramasse et que Brest a bien travaillé là-dessus. Ça tombe bien, nos meilleurs joueurs étaient à ce poste-là. Mais ça prouve quand même qu'il y a eu une vraie préparation du match en amont. C'est à mettre au crédit du coach, bien sûr, mais aussi des joueurs qui ont été réceptifs, en tout cas au message. Donc c'est aussi ça, peut-être. On y reviendra, mais la grande satisfaction, c'est de voir que la grève d'Erzakarian semble déjà avoir pris. Parce que là, tu me montres ce match, me montres cette équipe sans me dire qui est le coach. Je te trouve assez rapidement que c'est Michel Erzakarian.
Franche, toi, tu l'as vu aussi le match. On a vu une équipe de Brest plutôt sympathique. Et après, c'est vrai, une préparation un peu difficile, ça qui donne envie d'en voir plus. Oui, tout à fait. Alors, si j'avais participé au live d'avant-match avec vous, si j'avais pu dans mes forêts alsaciennes, je l'aurais fait. J'aurais certainement été un petit peu à l'image de ce que je disais la saison dernière, assez pessimiste avant la rencontre, notamment au regard des matchs de préparation, particulièrement celui de Majorque, parce que c'est celui auquel j'avais pu assister. Les autres, j'avais vu un petit peu par-ci, par-là. Mais très surpris par le comportement de l'équipe dans la compétition. Et effectivement, comme disait Yann, on sent déjà une patte un peu d'Air Zakarian. Alors, c'est pas forcément quelque chose de flamboyant, mais bon, avec l'effectif actuel qui est celui du Stade Brestois, je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux, même si, en termes de résultats, le début de la seconde période laisse des regrets. Sur l'ensemble, revenir de Lyon avec un point, j'aurais signé dès demain avant le coup d'envoi. Je trouve que c'est un résultat positif et qui va, à terme et sur la durée, on va voir ce que ça donnera dimanche, mais donner de la confiance à l'équipe, je pense, sur sa capacité à résister déjà face au groupe. Ouais, c'est ça, et notamment, c'est toi Yann qui en parlait dans le podcast de présentation. On avait une équipe de Brest la dernière saison qui avait du mal à réaliser ce genre d'exploit. Et tu voulais que justement Michel Air Zakarian apporte cette science, on va dire, d'aller chercher quelques points ici et là dans des stades notamment et face à des adversaires contre qui Brest n'a certainement pas l'habitude de le faire. Et premier exemple lors du premier match. Donc on peut être peut-être optimiste sur l'état d'esprit, on va dire, à l'extérieur désormais d'une équipe de Brest qui nous a habitués à être quand même assez passive, on va dire, loin de ses bases. Oui, et puis après, comme le dit Elbir, qui est donc le chat, un autre fidèle qu'on salue, ce match-là, l'an dernier, l'année d'avant, et même les autres années sous Furlan, on le perd comme des cons. Et là, non, parce que d'un côté, effectivement, il y a les regrets du début de la seconde période, mais il y a eu aussi cette gestion en fin de match, après l'égalisation lyonnaise, où peut-être parce que Brest n'avait pas de jambes, ou tout simplement parce que Lyon est meilleur, on a su gérer et garder ce match nul. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à faire les derniers. Clairement, et on aurait pu, comme tu l'as dit, Fanche, on aurait pu aller chercher quelque chose de mieux avec finalement une équipe très peu remaniée par rapport à l'année dernière. On a vu notamment, malgré un Aris Belkebla qui s'est blessé assez rapidement, une doublette Mbok Magnetti qui a plutôt bien fonctionné, qui a loin d'être, on va dire jusqu'à la rentrée de Paqueta, où là on a senti quand même une hausse assez forte du niveau du milieu de terrain lyonnais. Mais une équipe solide côté brestois qui a alors concédé 17 tirs, mais finalement peut-être 2-3 grosses occasions dans le but, avec un Marco Bizot qui a été plutôt serein, et sauf une petite sortie sur un corner notamment où il y a un peu en retard, mais globalement c'était on était plutôt serein en regardant le match. Oui, tout à fait, on était serein. On est toujours un peu inquiet sur les 10-15 dernières minutes, mais même sur la fin de match finalement, si on prend les 5-6 dernières minutes, on aurait pu penser que Lyon allait pousser vraiment à fond. Pas vraiment de peur de mon côté, en tout cas. J'ai trouvé une équipe de Brest qui a plutôt bien géré, et pourtant avec un milieu Magnetti Mbok qui, on sait, et j'espère, ne sera pas le milieu cette saison, même si j'ai trouvé Magnetti très intéressant. Je ne sais pas si on reviendra sur les prestations individuelles, mais beaucoup plus déçu par Yanga Mbok, que je trouve... au fur et à mesure du temps, il ne trouve pas vraiment sa place dans cette équipe et peut-être n'a tout simplement pas le niveau. C'est la vie sur ce match. Moi, je garde quand même ce premier quart d'heure de la seconde période avec beaucoup de regrets, parce qu'on a quand même des occasions qui sont énormes. Je pense notamment à la première, parce que la tête de Chardonnay est très belle, mais l'arrêt est très très beau, donc c'est bien joué des deux côtés. Mais c'est la première occasion où Honora qui ne sert pas Fèvre, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Là, j'ai vraiment des gros regrets sur cette action. Et t'as même pas eu peur quand c'est Jean-Kévin Duverne qui est rentré latéral droit? Parce que je vois que ça en parle dans le chat, et on va le souligner, c'est plutôt une bonne rentrée, c'est plutôt un bon coaching de Air Zakarian qui, voyant que Ronald Pierre-Gabriel était déjà main sur les genoux, n'a pas hésité à faire son changement. On se souvient des changements à la 80e l'an dernier, donc forcément ça change un peu. Ouais, mais... est-ce que j'ai eu peur? Non, parce que l'équipe,
l'équipe se comportait plutôt bien. Alors je me suis dit, enfin, c'est pas un joueur comme ça qui rentre 10 minutes qui va peut-être tout faire capoter, même si avec Jean-Kévin Duverne, ça peut arriver. On va pas non plus lui taper dessus pour taper dessus, je trouve ça un peu dur. Je trouve qu'il a fait une entrée tout à fait correcte, comme le Julien Fossurier d'ailleurs un petit peu plus haut à droite, que j'ai trouvé très intéressant sur les 10-15 minutes qu'il a pu passer sur le terrain. Globalement, changement positif, comportement positif de l'équipe qui s'est mise à bien respecter les consignes de l'entraîneur. Et bon, déjà, rien que ça, de voir des joueurs qui respectent les consignes de l'entraîneur, c'est une évolution par rapport à ce qu'on a vu à Brest sur les dernières semaines et les derniers mois. Et on remercie Singa, qui lui aussi a lâché son prime. Donc, ça fait déjà 2 abonnés, c'est tout simplement fabuleux. Ça fait plus de points que le Stade Brestois, d'ailleurs. On prévient Singa, on a vu son message dans la journée sur Twitter, et effectivement, on ne parlera pas d'un certain événement concurrent qui arrive sur une chaîne nationale dans les minutes à venir. Et effectivement, Mbok, il aurait peut-être fallu le remplacer, mais on voit quand même que, notamment au milieu de terrain, c'est assez juste au niveau rotation. Hein. Dès qu'il y aurait peut-être Noesso qui ferait l'affaire, mais c'est vrai que quand tu demandes à un joueur qui vient directement de N2 de rentrer directement en Ligue 1, tu sens que tu es quand même à poil au niveau du milieu de terrain. Et puis à Lyon, en plus, à Lyon. À Lyon, en plus. Effectivement. Alors peut-être un petit mot sur les deux nouveaux, les deux seuls nouveaux. C'est peut-être l'un des avantages aussi qu'avait Brest, c'est que notamment offensivement, ça n'avait pas trop bougé, les joueurs se connaissaient, hein, notamment tout ce qui est Mounier, Cardona, Fèvre. Mounier qui a encore fait un match de grande qualité, hein, devant seul en pointe, c'était pas facile, il a amassé beaucoup de travail. Mais Marco Bizot, Yere Ouronen, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté, Yann et Fanch? Je vais commencer sur Marco Bizot. Alors Bizot, ça a été un peu surprise, hein. Il y avait ce suspense, mais bon, il est arrivé le mercredi, le samedi, donc il est titulaire. Honnêtement, il n'a pas eu grand-chose à faire. Le peu qu'il a fait, bon, il l'a bien fait, mais moi, quelque chose qui m'a énormément plu chez Marco Bizot et que je reprochais à Gauthier Larsonneur, c'est sur l'ensemble des podcasts quasiment, c'est en fait le sens du jeu. C'est-à-dire que Marco Bizot a une logique qui va un peu plus loin, que on est mené, donc il faut qu'on joue vite, et on mène, donc il faut qu'on ralentisse. Je trouve que c'est vraiment un gardien qui a su modérer le temps, qui a su tempérer selon le comportement de son équipe, selon l'état de fatigue. Donc, ça, c'est intéressant, à voir si ça va perdurer dans la durée, et puis bien sûr, à voir s'il nous fait gagner des points, parce qu'au-delà de ça, voilà, sur un match comme ça, il peut rien faire, il n'a rien à faire. Ouais, moi, dans le sondage que tu as mis, Yann, sur alors satisfait ou pas de Marco Bizot, j'ai mis à revoir parce que il n'a pas eu effectivement grand chose à faire. C'est très difficile de faire un avis sur lui finalement sur ce match-là en particulier parce qu'il y a des matchs où, voilà, je sais pas, le nombre de tirs cadrés lyonnais, c'est 4 tirs. Et sur les 4 tirs, je pense qu'il y a au moins 2 frappes lointaines qui l'arrêtent très, très facilement. Mais je trouve qu'il dégage quelque chose rien que par son physique et sa taille. Peut-être son expérience aussi. J'ai vu échanger à un moment donné avec Brendan Chardonnay sur un renvoi au 6 mètres qu'il voulait jouer court. Bon, il y avait un peu une incompréhension, je pense, entre les deux. Il se faisait des signes. Je pense que voilà, au niveau de la communication, évidemment, c'est pas en 3 jours que ça va se mettre en place. Mais plutôt satisfait, ouais, rien que par effectivement la prestance qu'il semble avoir. Après, sur les sorties aériennes, j'ai trouvé parfois qu'il allait un petit peu à la pêche, mais voilà, il vient d'arriver, on va lui laisser le temps. Et du côté du latéral gauche, Yere Ouronen, les bières qui disent, je pense justement, hein, après tu en as plus vu que moi, notamment Yann, mais par rapport au match de préparation, bon, c'est vrai qu'il était arrivé, il avait cassé une jambe, donc c'est vrai que là, il y a une progression, hein, très nette. Mais après, moi, j'ai vraiment aucun doute, hein, sur Ouronen. On a de l'expérience. C'est un joueur qui a joué avec des champions, l'Europa League, qui est international finlandais. Donc, j'ai pas de doute, mais il faut quand même le voir. Et là, on a déjà vu un joueur qui est quand même assez rassurant pour un côté gauche qui, je pense, ne sera pas problématique cette saison. Oui, moi, je rejoins totalement. Ce qu'on a vu sur ce match de Ouronen, c'est pas forcément des qualités techniques ou physiques exceptionnelles. C'est de l'expérience. C'est un gars qui... en fin de match, il faut regarder sa fin de match, c'est exceptionnel. Il sait comment gagner le temps, comment sortir le danger. C'est peut-être là, sur ce point-là, que Romain Perrault pêchait un peu à côté, si on peut considérer qu'il pêche. Mais non, moi, très satisfait. Et effectivement, j'étais assez inquiet après les amicaux en me disant bah, c'est bon, il n'est pas encore en jambes, il n'est pas encore bien au niveau de la communication. Là, ça semble être le cas. Moi, très content. Et je pense que si on a un Ouronen à ce niveau sur toute la saison, il n'y aura aucun souci. Et on va dire que
que Ronen aussi avait sûrement des consignes hein, face à une équipe comme Lyon, de pas trop se porter vers l'avant. Je pense qu'on le verra plus dans les prochains matchs, notamment à domicile, là, peut-être pas contre Rennes, parce que c'est vrai que on en parlera tout à l'heure, mais leur point fort, c'est surtout au niveau des ailiers, donc il faudra faire attention. Mais c'est quand même un joueur qui jouait à Genk, et on sait que notamment Genk joue de façon très offensive. Il y a son penchant côté droit, c'était Joachim Mele, qui a fait un super euro avec le Danemark et qui est quand même très très offensif. Donc ça vous donne peut-être une idée de quel genre de possibilités peut offrir Yere Urunen en se portant vers l'avant. Pardon. Côté, donc vous pouvez voir hein, les notes que vous avez données parmi si vous étiez parmi les 62 votants, les notes que vous avez données à l'ensemble des joueurs, avec un Lilian Brassier qui a eu la moins bonne note à 5,15. Non, c'est Ronald Pierre-Gabriel qui a eu la moins bonne note. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, deux points, on va dire, points faibles entre guillemets, avec deux prestations qui n'ont peut-être pas été au niveau en tout cas au goût des supporters brestois, mon cher Fanch. Est-ce qu'ils ont été à ton goût? Oui, dans l'ensemble, C'est vrai que personne n'est en dessous de la moyenne. Donc, Non, les notes me semblent cohérentes. Et alors, pour tout vous dire, effectivement, je ne sais pas bien, mais j'ai personnellement pas voté pour. Parce que j'ai complètement oublié, en fait. Après le match, on est parti très, très, très vite. J'ai pas voté, mais je suis en accord avec les notes, notamment celle de Brassier, que moi, me fait toujours très peur en défense. Je suis pas serein avec Lilian Brassier. J'espère qu'on arrivera à avoir un joueur différent cette année en défense centrale. Pour le reste, je trouve que c'est très cohérent. Magnetti, par exemple, 6,31, une dans les meilleures notes de l'équipe, j'ai trouvé très impactant. Vraiment, il est rentré dans le match. On sait que c'est pas facile de rentrer dans un match comme ça qui est déjà débuté. Il a eu très peu de temps pour s'échauffer. Je pense également, je reviens sur ce que tu disais sur Steve Mounier, Quentin, j'ai trouvé qu'il était encore une fois très très important devant. Je ne sais pas combien de duels aériens il a pu remporter, mais ça doit être assez, assez impressionnant. Et pour la meilleure note pour le coach, ben, ça symbolise cette victoire du collectif. Donc les gens qui ont voté ont voté, à mon sens, de manière très très juste. Et plus il y a de votants, finalement, plus on se rapproche de la vérité, sûrement. Oui. Avec 62 avis, je pense qu'on voilà, y a quand même une hiérarchie qui se dessine et on peut difficilement, à moins que ce soit 70 journalistes de l'équipe, ça c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'on là, on, si les 62 votants ont bien vu le match, on devrait se rapprocher de quelque chose qui tend vers la vérité. Et moi, je rejoins, j'ai fait mes notes et le seul joueur à qui je n'ai pas mis la moyenne, moi, c'est Ronald Pierre-Gabriel. Parce que physiquement, ça ne colle pas, vraiment pas. Et même, je le trouve distrait, en fait. Il y a des moments où il semble totalement oublier qu'il est en train de jouer un match de football de Ligue 1, ça m'inquiète un peu, et c'est dans la lignée de ce qu'il a fait en deuxième partie de saison, au final. Hein. Donc, là, on a vu Jean-Kévin Duverne faire une bonne rentrée latérale droit. Ça ne me surprendrait pas que d'ici quelques semaines, la tendance s'inverse, et qu'on démarre au final avec Duverne à droite, et Pierre-Gabriel, logiquement, à mon sens, sur le banc. Mais sinon, oui, tout le monde plutôt bon sur le reste. Ça fait un peu peur, là, ce que tu racontes. Oui, t'as deux notes quittées, là. Ça va pas du tout. Après, je crois qu'on t'a peut-être pas bien entendu. Hein. Bon, c'est vrai que ça coupait un peu. Là, t'as bien dit du vin titulaire, hein, possiblement. Latéral droit. Ah ouais, Bah, ça coupait pas, du coup. T'as vraiment tout ça. Ok. Non, juste, si je peux dire un mot sur la performance globale, on se réjouit évidemment de ce point obtenu à Lyon. Il faut également mettre cette prestation en relief par rapport à l'adversaire. Je veux dire, l'Olympique Lyonnais, ce n'était pas l'Olympique Lyonnais qu'on va retrouver dans 2 ou 3 mois. C'était également une équipe assez faible, j'ai trouvé. Donc, satisfaisons-nous de ce point, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler et à revoir. Et l'occasion encore d'une fois de rappeler que les matchs amicaux ne reflètent absolument pas ce qu'on peut voir rien que au premier match de la saison, hein, puisque Lyon avait notamment marqué beaucoup, beaucoup de buts en préparation et a finalement été très peu dangereux sur le but brestois, alors que bah, par exemple, côté brestois, on était assez moyen en préparation, et là on offre un match plutôt cohérent, plutôt solide, et ça fait plaisir, et ça offre des... On va dire que le problème, c'est que ça nous donne de l'espoir d'y croire au maintien, et que si descente il y a, bah, on tombera de plus haut.
Mais c'est vrai que moi, j'étais globalement, j'avais dit que j'étais curieux avant de regarder ce match. Et c'est vrai que ma curiosité a plutôt été soulagée. Oui, tout à fait, satisfaite, soulagée par cette première rencontre. Et c'est vrai qu'on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a envie d'en voir plus. Et j'ai très hâte au premier match contre Rennes, outre le fait qu'on va retrouver le stade dans une configuration à 95-99% pleine. Il y a aussi le fait de continuer à voir cette équipe, ce nouveau Stade Brestois évoluer de façon et progresser de façon positive, on espère. Et donc, on va voir ce que ça donne. Il faudra quand même quelques recrues. Hein. Ça, c'est très net, tant au niveau de la qualité que de la quantité de l'effectif, notamment au milieu de terrain, on l'a dit. Mais c'est vrai que voilà, il y a quelques postes où c'est très très juste, que ce soit en qualité et en qualité, mon cher Yann. Oui, mais... C'est-à-dire, on va pas s'étendre sur le sujet, mais on a vu qu'il y a une rumeur pour Zaïdou Youssouf de Saint-Etienne. En un mot, moi, c'est oui. Point. On en reparlera peut-être plus tard s'il devait venir à signer, mais pour moi, c'est oui. Après, c'est vrai que là, on n'est pas dans une position de faire les difficiles, mais c'est vrai que c'est un bon joueur, donc pourquoi pas. Et pour le coup, j'ai souvent dit que Magnetti et Belkebla, ça faisait souvent doublon. Donc là, on va dire qu'on est plutôt bon au niveau du 6, entre guillemets, récupérateur-travailleur. Maintenant, il faut le 6-8 à côté qui ait un bon niveau technique, qui puisse faire la passe vers l'avant. Et c'est vrai que Zaïdou Youssouf entre dans cette caractéristique-là, ce que devrait peut-être devenir, on l'espère, un jour, Yanga Mbok. Passons, messieurs, dames dans le chat, à la deuxième partie avec... Donc cette petite querelle qu'oppose donc le Stade Brestois à France Bleu Brésisel. Alors on va laisser Yann prendre la parole, puisque c'est toi qui as eu Nicolas Blanzat au téléphone cette semaine, qui va donc nous expliquer un peu les tenants, les aboutissants de ce qui se passe, et voir si ça peut déboucher, on l'espère, hein, très fort, parce que c'est quand même assez scandaleux, on va pas se mentir, que ça débouche sur une issue tout à fait positive. Peut-être juste à titre préliminaire, préciser que du coup, on a fait la part des choses, on a contacté le Stade Brestois qui nous a dit que de toute façon, c'était géré au niveau des grands chefs. Donc voilà, on n'a pas. Le Stade Brestois ne répondra pas, ne répond pas. Le terme exact, ils ne souhaitent pas réagir. Voilà, tout à fait. Parce qu'on leur a proposé de réagir après. Hein. Eux, ils ne savent pas du tout ce qui va être dit par Nicolas Blanzat. Évidemment, on ne communique pas au Stade Brestois notre programme le contenu de ce qui a été dit en amont, mais voilà, par correction, on les a prévenus. Et voilà, le terme exact, je vous le redonne, c'est le club ne souhaite pas réagir dans ce dossier. Voilà. Très bien. Donc je vous lance l'extrait. Vous nous dites dans le chat si vous l'entendez bien, parce qu'on tente des manipulations techniques, et c'est parti. Alors, la saison dernière, vous aviez pu vibrer devant le Stade Brestois, ou peut-être pleurer devant le Stade Brestois. À la télé, perso, sûr, mais également à la radio, et il y a forcément. Il faut que tu cliques sur partager. C'est celle de Nicolas Blanzat. Partager. Donc journaliste et commentateur de France Bleu Brésisel, qui suivait le Stade Brestois la semaine dernière. Ce week-end, il n'était pas là. En cause, une décision prise par France Bleu Brésisel de ne pas couvrir le Stade Brestois. Et justement, Nicolas est aujourd'hui avec nous. Il nous a fait le plaisir de venir pour nous expliquer un peu les raisons de ce choix de France Bleu Brésisel. Nicolas, merci, bonjour. Il n'était pas bonjour. Là, en cause une décision. Alors, le Stade Brestois n'a donc pas été couvert par France Bleu Brésisel ce week-end. Et justement, Nicolas est le aujourd'hui probablement pas le week-end de venir prochain. Pour nous expliquer un peu les raisons. Très généralement, pour ceux qui n'ont pas suivi, pourquoi France Bleu Brésisel a décidé de ne pas suivre le Stade Brestois sur ce début de saison. Alors, juste pour préciser, on a parlé du Stade Brestois dans nos journaux pour le début de la saison, pour présenter un petit peu ça, mais c'est vrai que la décision qui a été prise par la direction de la radio, c'est d'arrêter de retransmettre les matchs, c'est-à-dire de commenter les matchs en intégralité, ce qui ne nous empêche pas par ailleurs de pouvoir parler du Stade Brestois avec les supporters comme vous, Brestonnaires, avec des observateurs légitimes pour parler des performances sportives du Stade Brestois, etc. Ça, on continue à le faire et on va continuer à le faire. En revanche, oui, les
commentaires de matchs, les retransmissions des rencontres sont stoppées jusqu'à nouvel ordre. La raison, c'est ce qui a été expliqué hein, sur le site internet de la radio, c'est que le Stade Brestois a décidé de mettre la radio à l'écart et d'entraver le travail des gens qui œuvrent à la radio. Ça concerne initialement un sujet qui relève du Brest Bretagne Handball. Vous savez que les handballeuses ont fait une saison magnifique. Elles sont aussi ce club du BBH et détenu par les frères Denis et Gérard Le Saint, propriétaires du Stade Brestois. Ils n'ont pas apprécié qu'après cette brillante saison, on révèle un cluster qui a émergé à la suite des festivités de fin de saison. Alors c'est pas nous qui disons que le cluster est dû aux festivités. C'est l'Agence régionale de santé hein, qui a fait un traçage puisqu'il y a eu des cas, il y a eu des cas contacts, etc. Et donc cette information-là nous est parvenue. On a travaillé pour vérifier ces éléments. On a sollicité la direction du Brest Bretagne Handball. Voilà, donc on a fait notre travail de journaliste. On a révélé cette information et à la suite de cette info qui a été révélée, le club, le Stade Brestois, hein, pour le coup, nous a informé que la décision a été prise. Voilà, c'est le mot qui est utilisé, de nous punir pour avoir révélé cette information et voulu entasser l'image du club, tout simplement. Peut-être si on précise, quand tu dis qu'on vous empêche simplement de faire votre travail, qu'on ne vous donne pas la marge de le faire, est-ce que tu peux préciser, vous avez été mis à l'écart, mais c'est-à-dire de quoi? Des entraînements, des conférences de presse? Alors très concrètement, moi, parce que ça s'est pas passé de direction à direction comme on aurait pu penser que ce soit le cas, j'ai reçu un coup de fil hein, de la part du chargé des relations presse du Stade Brestois. C'était le mercredi 23 juin, pour être tout à fait précis, à la veille de la conférence de presse de présentation de Michel Darzakarian, nouvel entraîneur du Stade Brestois, voilà, où il m'a été dit, sans dire d'ailleurs que la conférence de presse de présentation était prévue le lendemain, m'a été expliqué que voilà, donc la radio était punie pour ce dont on vient de parler, et donc depuis, on est invité à aucune des conférences de presse organisées par le Stade Brestois. Alors il y a eu la présentation de Michel Darzakarian, il y a eu celle des recrues, Grégoire Couder, Huronen aussi le latéral. Enfin voilà, on ne reçoit plus d'invitations aux conférences de presse qui sont organisées par le Stade Brestois, à l'inverse de nos confrères, voilà, qui ont pu y aller et en rendre compte. Et sur un plan légal, ce n'est pas une obligation normalement de vous inviter? Alors sur un plan légal, non, le club envoie les invitations à qui bon lui semble. Alors en général, oui, les invitations sont transmises à la presse en général, enfin, si tant est que le club ou n'importe quelle institution a les adresses mail pour formuler ses invitations. Voilà, là-dessus, le club fait ce qu'il veut, mais en tout cas de cause, mais nous, on a aussi pour habitude, la saison dernière, par exemple, dans le cadre de nos émissions sport dans lesquelles vous intervenez, notamment le soir, 100% Foot Brest, de pouvoir avoir à l'antenne des joueurs, des dirigeants, voilà, des membres du club. Donc là, jusqu'à nouvel ordre, pendant un an, puisque la décision porte nous a-t-il été expliqué pendant la durée d'un an, il sera impossible d'accéder à la fois aux conférences de presse et puis de solliciter des interviews avec quelques membres du Stade Brestois, voilà, salariés par le club. Après, on a toute l'attitude, évidemment, de faire notre travail avec tous ceux qui n'ont pas de lien contractuel, on va dire, avec le Stade Brestois, mais pour tout ce qui dépend du Stade Brestois, on n'est pas convié. Alors, juste, j'ai formulé une précision, c'est qu'il y a une convention qui existe, une charte qui existe entre la Ligue de foot. Donc, elle est signée par la Ligue de foot, mais elle concerne donc tous les clubs pro, que ce soit de Ligue 1 ou de Ligue 2. Cette charte, elle est signée entre la Ligue de foot et l'UJSF. C'est l'Union des journalistes de sport en France. En gros, c'est un syndicat qui regroupe les journalistes de sport. Et cette convention, elle dit beaucoup de choses sur l'organisation des matchs. Et donc, elle précise aussi que, voilà, nous, on peut accéder au stade Francis Leblay. On peut aller voir les matchs. On peut participer aux conférences de presse d'après-match, recueillir des témoignages. Ça, on a le droit de le faire et on va continuer à le faire. D'accord. Alors,
Petite précision, donc vous avez publié votre choix, hein, simplement votre communiqué le 5 août. Deux questions. Est-ce que vous avez été touché par le soutien des supporters brestois? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, notamment, qui sont venus nous demander ce week-end pourquoi il n'y avait pas de commentaires sur Franck Le Brisel. Et deuxième question, plus importante, est-ce que vous avez eu une réaction du club? À la date où on se parle, j'aimerais d'abord répondre à la première question. Oui, on a été sincèrement touché, ému par le soutien, parce que il faut savoir que c'est une première pour la radio. Enfin, je parle sous l'accord du directeur de la radio, mais c'est vrai que c'est une première et que c'était une décision qui était très difficile à prendre ici, parce que elle implique entre guillemets des victimes collatérales, et pour le coup, ce sont les supporters qui peuvent pas se payer de place au stade, ou qui peuvent pas venir parce qu'ils sont loin, ou alors parce qu'ils sont expatriés. Et ce sont tous ces supporters là à qui on pense, parce que cette décision elle les concerne en premier lieu. Ce sont eux qui sont le plus touchés. Donc c'est vrai que ces marques de soutien, elles ont été globalement très appréciées. Après, on l'a pas fait pour vraiment pour les punir. Il faut juste comprendre que notre travail, il est entravé. C'est pour ça que cette décision-là a été prise. Et pour ce qui est de la deuxième question, à l'heure où on effectue cet enregistrement, à ma connaissance, non, nous n'avons pas eu de retour de la direction, en tout cas d'aucun dirigeant du Stade Brestois. D'accord. Et donc, si on résume, en l'état, il est assez peu probable de voir Franck Le Brisel revenir pouvoir couvrir le Stade Brestois, tant que, en tout cas, les conditions de bon exercice du travail ne vous sera pas rendues. Exactement, oui. Je vais pas endosser les décisions qui seront prises par la radio, mais en tout cas, on serait très heureux déjà d'avoir des nouvelles du club, parce qu'il y a quand même des sollicitations depuis l'annonce qui nous a été faite le 23 juin. Il y a eu des messages et des sollicitations faites auprès du club pour lesquelles il n'y a pas eu de suite qui ont été données, en tout cas jusqu'à la date de la publication de l'article le 5 août et à l'heure de cet enregistrement. Effectivement, jusqu'à nouvel ordre, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de retransmission de match. Après, ça ne nous empêchera pas de parler du Stade Brestois, d'aller voir les matchs, de pouvoir faire des reportages en lien avec les matchs du Stade Brestois. Mais pour ce qui est des retransmissions, effectivement, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, il n'y en aura pas. Très bien. Mais ça, c'est une question plus personnelle. Vous avez quand même hâte de pouvoir reprendre si les conditions sont là, si jamais le club fait le pas qui est attendu de lui? Nous, on sera très, très heureux de reprendre notre activité tant qu'on peut la faire comme ça a été évoqué dans des bonnes conditions, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de malaise par rapport à ça. Hein. Pour nous, là, jusqu'à ce coup de fil du 23 juin, notre décision, enfin, voilà, était évidemment de continuer ce qui avait été fait depuis de nombreuses saisons et encore la saison dernière dans le suivi du Stade Brestois, absolument. Très bien. On a relayé le message. On est beaucoup de supporters brestois, nous les premiers à avoir hâte, parce qu'on ne peut pas concevoir une saison du Stade Brestois sans Franck Bleu. Donc on espère et on attend même du club une réaction, une correction. Donc merci pour ta venue, Nicolas. Merci, Yann. On espère te retrouver très bientôt donc sur Franck Bleu, que ce soit sur un commentaire de match ou même, comme tu as dit, sur des reportages qui, eux, vont continuer. Absolument. Et puis au stade, pourquoi pas, puisque maintenant on peut y retourner. Enfin, le public peut y revenir. Tout à fait. Alors vous avez entendu donc en longueur hein, Nicolas Blanzat qui parlait de cette dispute qu'oppose le Stade Brestois à la radio, donc France Bleu Brésil. Ça a été expliqué en long, en large et en travers. Je crois que tu avais deux, trois mots à dire, Fanch, notamment. Deux, trois mots à dire, c'est surtout que je trouve ça complètement ridicule et scandaleux de la part du club de réagir comme ça, qui est quelque chose qui ne leur est pas plu, c'est un fait. Sauf erreur de ma part, parce que, et Nicolas Blanzat l'a très bien dit, ils ont fait leur travail en donnant une information.
Alors moi, je suis pas journaliste, hein, c'est pas mon boulot, mais c'est le leur. Donc ils ont fait leur travail de manière tout à fait correcte. Et pour le travail qu'ils ont réalisé, on parle suffisamment de dictature, de censure, etc., sans utiliser des mots ici qui seraient peut-être trop forts. Mais en tout cas, je pense que celui de censure mériterait d'être utilisé ici. Et d'un point de vue personnel, je trouve ça vraiment très regrettable, en tout cas, le comportement du club au sujet de France Bleu Brésil. Surtout que je pense que le club se fait plus mal en interdisant France Bleu Brésil que l'image qu'il a pu donner à cause d'un cluster, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, ça arrive, voilà, on passe à autre chose, et voilà, c'est pas le premier, on espère que ce sera le dernier, par contre. Oui. C'est peu probable, mais c'est vrai que priver bon nombre d'expatriés qui ne peuvent pas aller au stade, qui n'ont peut-être pas envie de payer donner de l'argent à Amazon, par exemple, bah c'est absolument dramatique. Alors il reste Radio Bonheur, hein, je crois, qu'il fait aussi les matchs du Stade Brestois désormais à domicile, mais France Bleu, c'est quand même une institution, hein. C'est je crois que c'est en plus la radio du service public, si je dis pas de bêtises. Oui. C'est comme France Télé. Voilà, c'est quand même assez tant au niveau de l'image que de l'éthique, que de la morale, c'est il y a rien qui va, en gros. Il y a rien qui va. Au-delà du simple fait de France Bleu, du coup, tu peux aussi élargir le souci en disant, bah, le prochain qui sort quelque chose qui ne va pas dans le sens du club, comment est-ce qu'il va être traité? Est-ce que d'autres journalistes vont vouloir... Parce que nous, on a notre liberté de ton, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais des journalistes, eux, bon, parfois, peut-être, qui ont des accès au club, auraient peut-être peur, justement, de sortir des infos qui n'iraient pas dans le sens de ce que le club attend. Je ne sais pas ce que ça peut donner à l'avenir, mais en tout cas, c'est vraiment très regrettable, et j'espère qu'en bonne intelligence, les deux camps vont trouver une solution pour que ça s'arrange. Je pense que le club est suffisamment intelligent aussi pour voir que les gens ont largement soutenu France Bleu Brésil dans cette affaire, à juste titre, et vont peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin. Voilà, quand on dit le club, après, c'est des décisions qui sont prises tout en haut, je pense, et voilà, malheureusement, tout le club est concerné. Je ne suis pas sûr que non plus que tous les salariés du club soient d'accord avec cette décision, mais ça, c'est un autre sujet. Très bien. Un dernier mot à dire, mon cher Yann, ou on peut passer à ce Brest-Rennes qui nous attend. Peut-être juste très rapidement dire effectivement ce qui a été dit dans le chat, c'est que ça a été énormément relayé. On a vu RMC, on a vu RTL s'en émouvoir à la radio. En termes d'image au niveau national, tu passes pour un con, quoi, tout simplement. Voilà, je n'avais rien d'autre à rajouter là-dessus. Parfait. Merci à toi, Yann, d'avoir d'ailleurs pris l'initiative, en gros, de prendre, d'avoir Nicolas Blanzat au téléphone. C'est quand même assez intéressant, et même pour un podcast pour nous, de faire, on va dire, le lien entre les radios et les supporters. C'est quand même un peu pour là qu'on est, un peu pour ça qu'on est là. Donc c'était une excellente idée. Comme le disait Nicolas Blanzat, il nous sollicite plusieurs fois dans l'année pour aller dans leur émission. C'était également normal qu'on essaye de comprendre au moins ce qui se passe de leur côté. Absolument. Alors on va accueillir Léo. Léo qui est chroniqueur pour Radio Roazhone, pour actuel Stade Rennais Football Club, c'est plus facile à dire que l'anagramme, et évidemment France Bleu Armorique, tiens, justement. Salut Léo. Salut tout le monde. Salut. Alors Léo, bienvenue sur Brest On Air, tu es en terrain pas du tout amical, naturellement, mais l'espace de quelques minutes, on le sera pour discuter justement de ce Brest-Rennes entre deux équipes qui ont fait match nul lors du premier match. D'ailleurs, même résultat, un partout, avec, on va peut-être, un peu plus de motifs d'inquiétude côté Rennais, qui s'est quand même fait pas mal bouger contre une très belle équipe de Lens, hein, d'ailleurs, que face à une équipe brestoise, qu'une équipe brestoise qui a eu quelques, on va dire, qui nous a agréablement surpris contre Lyon. On va peut-être commencer côté brestois rapidement avec Yann. Déjà, bon, premier match, retour à Francis Leblay pour bon nombre d'entre nous en configuration Ligue 1, ce qui est quand même agréable. Et on espère que ça va aussi changer, on va dire, ce qu'on va pouvoir voir par rapport à l'année dernière. On va peut-être retrouver un Francis Leblay difficile à une équipe de Brest à domicile, difficile à manœuvrer. Oui, tout à fait. Après, je serais peut-être plutôt d'avis qu'au contraire, on retienne pas Léo trop longtemps et qu'on commence directement avec lui pour qu'il nous parle du Stade Rennais.
C'est plus c'est galant, on va dire. Peu importe, effectivement, Léo. Donc, je disais, hein, j'ai vu le Rennes-Lens, une très très belle équipe de Lens, hein, qui a posé quand même beaucoup de problèmes à un Stade Rennais qui a quand même quelques points forts, et notamment grâce à sa recrue plutôt chère, hein, puisque je crois que ça coûte 20 à 25 millions d'euros. Kamaldine Sulemana, qui arrive de Nord-Irlande et qui, bon, c'était l'un de ses premiers ballons, il a crochet intérieur. Frappe poteau opposé rentrant, c'était quand même assez impressionnant, avec une célébration qui n'était pas moins. Ben oui, alors déjà, avant de commencer, je voulais vous remercier déjà pour l'invitation, et même si voilà, vous me dites que je ne suis que pour le temps d'un instant en terrain allié, et que voilà, à partir de ce week-end, ce sera un terrain qui sera totalement... Au final, bon, on va dire qu'on déteste tous les Guingampais, donc finalement... Est-ce que... Et puis, je reste quand même en Bretagne, et le Finistère est une région que j'affectionne particulièrement, donc je me considère tout de même en terrain ami. Très bien. Donc du coup, non, ouais, pour revenir un petit peu sur la prestation de Rennes face à Lens, c'est vrai que le joueur qu'on a pu retenir, nous, en tant que supporters, et c'était celui voilà, qu'on attendait sûrement au tournant, c'est bien évidemment Kamaldine Sulemana. Qui nous avait déjà montré pas mal de petites choses intéressantes pour les matchs qu'il avait pu faire lors de la préparation. Il en a fait 1,5 si je ne dis pas de bêtises, donc contre Levante et Retafe. Et face à Brest, il a montré tout ce qu'on pouvait attendre de lui en termes de vitesse, en termes de technique, en termes de puissance. Ce que j'ai pu en retenir, en tout cas principalement sur les 45 minutes qu'il a joué pleinement, il est sorti en début de deuxième mi-temps au bout de 10 minutes, mais voilà, je considère que le début de deuxième mi-temps ne compte pas, il a touché très peu de ballons, et on a quand même pu remarquer pas mal de petits défauts dans son jeu qui seront certainement à corriger à l'avenir, mais c'est certain que ce sera, je pense, pour Bruno Genesio une pièce maîtresse du jeu qu'il aimerait éventuellement développer avec le Stade Rennais, qui s'orienterait, de ce qu'on peut voir en tout cas pour le moment, sur les ailes. Alors justement, tu parles de Bruno Genesio. Rennes a connu une période très très faste, d'ailleurs, qui avait commencé face à Brest. Le premier match de Julien Stéphan, je crois que c'était contre Brest en Coupe de France. Hein. C'est un souvenir tout à fait dramatique pour nous autres Brestois, mmh. puisque c'était le 32e de finale de Coupe de France, ouais. où Brest menait de 2 pénalties dans la séance de tir au but avant que Ibrahima Diallo et Édouard Butin. On vous retient. ne manquent leur tir au but respectif. Donc Rennes a connu une période très très faste, hein, avec notamment une Coupe de France et une participation au pool de la Ligue des Champions l'année dernière. Comment est-ce que la transition Julien Stéphan, Bruno Genesio s'est déroulée, et est-ce que les supporters sont satisfaits de l'apport de l'ancien entraîneur lyonnais? Je pense qu'il est un peu tôt pour savoir si les supporters, enfin c'est pour dire tout simplement si les supporters peuvent être satisfaits de la transition et puis du travail de Bruno Genesio, pour la simple et bonne raison que Bruno Genesio n'a pas eu le temps de mettre en place quoi que ce soit, ou en tout cas de montrer ce qu'il voulait vraiment mettre en place. Il est arrivé dans un rôle d'intérimaire à la fin de saison, et je pense que le but du jeu était quand même de rester dans la continuité de ce qui avait pu être proposé sur la première moitié de saison par Julien Stéphan, tout en essayant de préparer progressivement ce que lui voulait mettre en place, et en anticipant nécessairement les quelques changements qu'il y allait avoir au mercato estival. Aujourd'hui, on est pleinement rentré, je pense, dans l'ère Bruno Genesio. Les matchs de préparation montrent, en tout cas ont montré, que le Stade Rennais restait quand même un club, et en tout cas avec un effectif qui semblait avoir quand même du caractère. On a eu des matchs de préparation assez compliqués, notamment sur les premières mi-temps où on n'était absolument pas présent, on n'était pas rassurant, et dans le jeu c'était quand même peu convaincant. Mais le mental et certainement l'expérience aussi de pas mal de nos joueurs nous ont permis à plusieurs reprises de revenir dans les matchs, hein, à l'image du match face au Havre, à l'image du match face au Standard de Liège, où il faut quand même préciser qu'à la mi-temps on était mené 3-0 et le match aurait pu se terminer sur une victoire rennaise, hein, on est quand même revenu à 3-3. Donc j'enlève le dernier match face à, et je ne l'ai plus en tête malheureusement si c'était Levante ou Retafe, mais bon, ça a été un petit peu plus décousu.
Faudrait que je revérifie ça. Malheureusement, j'ai pas l'info. Je suis désolé. Mais sur ce qui est proposé... Léo, qui est en fait supporter de Guingamp, hein, on le rappelle. J'utilise, il est juste là pour, parce qu'on a trouvé personne. Donc, Non, et pourtant, j'ai vraiment fait attention à ce qui était t'as bien bossé, proposé. T'as bien bossé. Ouais, non, mais pourtant, j'ai bien bossé sur les matchs de préparation. J'ai pris le temps de le faire, mais je suis désolé. Il y a un petit trou. C'est le stress de venir sur une radio concurrente avec un club concurrent. Mais par contre, sur ce qui a été proposé, en tout cas, sur le match face à Lens, je vais pas vous mentir que je suis pour le moment, mais alors à ne pas tirer de conclusion trop hâtive évidemment, assez sceptique sur ce que veut proposer Bruno Genesio en termes de jeu offensif et en termes de construction dans le jeu tout simplement. On a vu une équipe qui avait une claire volonté de relancer très court, ce qu'on avait déjà pu voir avec Julien Stéphan. Hein, donc ça, c'est bien, il y a une envie de perdurer dans ce domaine-là, mais des joueurs qui ne semblaient pas, en tout cas, avoir les épaules pour pouvoir le faire. On rappelle qu'on a Leslie Ogochukwu, qui est pour le moment notre numéro 6, qui est un très jeune joueur. Alors, il a eu l'occasion d'apprendre avec Steven Nzonzi, mais on ne peut pas... construire tout un joueur et lui donner toute l'expérience qu'il faut instantanément pour que dès le premier match il soit calé dans tous les domaines, notamment sur ce domaine de relance et de construction basse. On a un Naïef Aguerd qui doit s'adapter aussi aux joueurs qui arrivent et qui sont nouveaux à côté de lui, à l'image de Birger Meling, à l'image de Loïc Badé. Donc ça a fait qu'on a trouvé, on a réussi à avoir pas mal de choses assez négatives sur ce plan-là. Donc à voir comment Bruno Genesio décidera d'axer son travail. Est-ce qu'il va vouloir justement perdurer sur ce plan-là? Est-ce qu'il va changer un petit peu son fusil d'épaule? Je ne sais pas. Après, c'est sûr que voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est offensivement comment Bruno Genesio envisage son jeu offensif. Moi, de ce que j'ai pu voir face à Lens, je perçois assez clairement un jeu de transition offensive extrêmement rapide, comme ce qu'on a pu voir donc notamment sur l'ouverture du score avec cette récupération et tout de suite cette lancée en profondeur très très intéressante de Flavien Tay qui trouve Souleymana et Souleymana derrière finit le travail. Et on a pu voir ça à plusieurs reprises pendant le match. Alors ça n'a pas abouti évidemment à chaque fois. Mais est-ce que Bruno Genesio va décider d'axer son développement dans le jeu sur ces points-là? Est-ce que il va plutôt essayer d'apporter de la variété? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour tirer des conclusions pour le moment. Et puis je pense que sur le plan de l'effectif également, il y a des choses qui vont forcément bouger avec un tour préliminaire qui va arriver donc le 19 août. Et le 26 août, match retour face à Rosenborg. Et c'est, à mon sens, évident que passage ou pas, justement, de ce tour préliminaire va avoir un impact très important sur la suite de notre saison, parce que si on arrive à justement passer ce tour, il est évident qu'il va y avoir, je pense, du mouvement sur le mercato. N'hésitez pas dans le chat à poser des questions à Léo si vous en avez. Yann. Et justement, tu parles de mercato, donc... Ce qui semble quand même ressortir de ton discours, c'est que de toute façon, il ne devrait pas y avoir de recrue rennaise avant le match de ce week-end. Mais est-ce que c'est possible qu'on ait un, voire plusieurs départs côté rennais? On a vu le feuilleton Kamavinga qui a pris un nouveau tournant en début de semaine. Je t'avoue que c'est quand même assez compliqué de se projeter sur le feuilleton Kamavinga parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres un peu chaque jour. C'est comparable à ce qu'on peut entendre avec Mbappé, alors à moindre mesure évidemment, hein, mais un coup on dit qu'il va rester, un coup on dit qu'il va partir. J'ai cru me souvenir une lecture d'un tweet qui disait que Eduardo Camavinga ne partira pas, ou en tout cas ne partira pas libre, et que le club, s'il avait de rester, refuserait de ne pas le prolonger. Je ne sais pas du tout comment ça s'envisage sur ce plan-là. Si je pouvais avoir plus de contacts en inside, j'adorerais, mais malheureusement, c'est très compliqué. Et essayer de spéculer sur ce qui va se passer, c'est très compliqué. On a eu quand même une déclaration de Bruno Genesio à la fin du match qui avait l'air de vouloir remettre un peu les points sur les i par rapport à la situation de Kamavinga et le fait que Kamavinga semblait vouloir partir, mais qu'il n'avait pas pour l'instant eu d'offre concrète. Je me dis juste qu'on va laisser faire. Je pense que le staff travaille, et ça a été annoncé de mémoire par Mohamed Toubache sur Twitter, sur l'arrivée de deux milieux, donc un milieu défensif et un milieu relayeur. J'imagine que c'est pour compenser un départ très probable d'Edouard de Camavinga. Et effectivement, je ne vois pas trop
quel serait, enfin, comment s'y retrouverait le club à laisser Eduardo partir libre l'été prochain. Ce serait plus judicieux, je pense, pour tout le monde de le faire quitter le club cet été. À voir sur ce feuilleton-là, mais c'est clairement celui sur lequel je m'avancerai le moins parce que c'est le plus compliqué, en fait. Et dans le chat, on nous pose une question un peu provocatrice, mais qui est quand même au cœur de l'actualité du mercato rennais. Est-ce que Alfred Gomis s'est acheté du talent ou à minima des gants cet été ? Ça me fait rire que tu me poses cette question-là, et j'ai répondu en plus à un tweet de notre cher Mathieu qui n'était pas forcément d'accord avec mon constat sur Alfred Gomis à la suite du match face à Lens. Est-ce qu'il s'est acheté du talent cet été ? Encore une fois, au même titre que ce que l'effectif rennais et Bruno Genesio vont proposer sur les matchs à venir, je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions pour le moment. La préparation d'Alfred Gomis a montré que les défauts qu'on avait pu percevoir ou même qui ont pu être clairement mis en évidence lors de sa saison passée sont toujours malheureusement présents, hein, à l'image de son jeu au pied, à l'image d'un decision making, donc d'une prise de décision dans les situations assez contestables en termes de lecture du jeu, que ce soit sur ses sorties aériennes, sur coup de pied arrêté pour soulager sa défense, etc. Donc je ne peux dire si il s'est acheté du talent. Je sais que moi, dans les aspects du jeu que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire la construction, la sérénité balle au pied, le fait de pouvoir ressortir bas, eh bien il ne me donne pas satisfaction pour le moment. À voir comment ça va se développer avec le temps. Donc la saison vient de reprendre, je lui laisse le bénéfice du doute et on tirera des constats dans plusieurs semaines. Et je ne sais pas si tu l'as vu passer, on l'a relayé dans le chat, il y a des rumeurs d'un gardien turc qui signerait côté Rennais. Le Stade Rennais cherche un gardien ou non, en fait, ou on ne sait pas trop ? Je pense que nous, supporters, on ne sait pas trop. Je pense que le club s'intéresse quand même à ce poste-là parce que, et on avait eu un débat comme ça avec plusieurs, quand on avait fait un regroupement sur les fameux Space autour du SRFC, on avait discuté de ça. Et voilà, le problème actuellement au Stade Rennais, c'est que on ne sait pas trop sur quel pied danser avec Salin et Gomis, parce que ils ont voilà vraisemblablement un niveau comparable, avec des qualités différentes, mais qui aujourd'hui, je pense, ne permettent pas à un club comme Rennes d'être vraiment serein au poste de gardien de but. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être envisagé par le club. Après, je me suis mis sur le chat, je vois la rumeur Dogan Alemdar. Si c'est envisagé par le stade, ce serait certainement pas, à mon sens, pour prendre le poste de titulaire. Je trouverais ça très délicat quand même de mettre sur les épaules d'un gardien de 18 ans une saison comme celle qui peut arriver, hein, avec éventuellement une Coupe d'Europe, etc. J'ai cru lire que c'était donc un poste, donc un gardien qui pourrait arriver, ce gardien-là qui pourrait éventuellement être arrivé, mais pourrait être reprêté dans la foulée. Quelle est l'intention du club derrière ? Est-ce que ce serait pour éventuellement l'installer, préparer une transition un peu plus douce pour Gomis à ce poste-là ? Je vous avoue que là, c'est un peu compliqué, mais pour prendre avis un petit peu plus franchement, je considère que oui, c'est un poste sur lequel il va falloir envisager assez rapidement du changement si sous 2-3 matchs, Alfred Gomis, Edouard Mendy est encore un petit peu dans ma tête, si Alfred Gomis ne donne pas satisfaction. Est-ce que on verra la première apparition du dragon à deux têtes, on va dire, sur les côtés, sous les manas, alors à gauche ou à droite, hein, les deux peuvent jouer des deux côtés, sous les manas d'Oku contre Brest? C'est possible qu'on le voit pendant le match. Beaucoup s'attendaient à le voir pour le match face à Lens. Et j'avais eu une réflexion, pour moi seul, que j'avais pas partagée sur la possibilité de ne pas voir ces joueurs ensemble de manière systématique, hein, pour la simple et bonne raison qu'ils ont deux profils qui sont très très proches et que ce serait quand même un atout assez important dans la manche de Genesio de se dire qu'on en garde toujours un sous le coude sur le banc, mais c'est vrai qu'avoir cette puissance de feu sur les deux côtés là, ce serait aussi bête de s'en priver. Moi, j'espère qu'on va voir un Bruno Genesio se mouiller par rapport à ça et tenter de les aligner ensemble, notamment avec un profil offensif avec un Martin Terrier qui
serait très, très intéressant hein, en termes de relais, en termes de pivot. Il est très qualitatif dans ce jeu-là. Et même pour venir rechercher les ballons bas, on a vu qu'il était capable face à Lens d'avoir ce rôle de relayeur, de protecteur de la balle pour ensuite se retourner, se remettre face au jeu et relancer, utiliser la profondeur dans les couloirs. Et quand tu regardes la vitesse de ces deux joueurs-là, c'est sûr que ça peut donner effectivement de belles choses. Est-ce qu'on va le voir dès le match face à Brest en entrée? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on peut être amené à le voir en cours de match? C'est plus probable. Très bien. Est-ce que tu as une question, Fanch, peut-être? Pardon, ah, t'es sur les non, non, pas de question. J'ai été captivé par ce que Léo nous disait, donc je suis au top pour le match de dimanche. Je sais tout sur le Stade Rennais. Moi, je vais appeler Gilbert Zakarian dès ce soir pour lui dire comment faire pour gagner. J'en ai peut-être deux, parce que là, on vient de parler effectivement du gros point fort Rennais, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un gros point faible, un domaine ou même un poste où tu sens que vous êtes à la rue ou absolument pas prêt? Alors, je pense pas que ce soit un poste auquel on est complètement à la rue, mais je pense que c'est le secteur du milieu de terrain où clairement, on est encore en manque de repères, on a beaucoup de mal à... pour l'instant, visualiser l'après Nzonzi, qui apportait quand même, malgré ce qu'on pouvait dire de son aspect défensif, de son apport défensif, qui était quand même une vraie pièce maîtresse de notre jeu en termes de sérénité sur les récupérations, sur la construction. C'était quelqu'un qui était vraiment capable de temporiser. Aujourd'hui, il y a tout un nouveau secteur en termes de milieu défensif à reconstruire. Donc, s'il y avait un aspect dans le jeu rennais qui me fait un petit peu plus douter, ce serait celui-ci. Si le Stade Brestois a pour vocation de jouer haut et non pas d'attendre les Rennais, je sais pas trop, je vous avoue que j'ai pas suivi le match face à Lyon, mais si Michel Darzakarian a cette envie de jouer, je suppose, étant donné que vous serez en plus à domicile, a cette envie de jouer haut, c'est probable que vous mettiez notre milieu défensif en difficulté, notamment si Bruno Genesio décide en tout cas de remettre en place ce qu'il souhaitait par rapport à la construction basse et les relances courtes, parce qu'on a des joueurs qui sont pour le moment assez fébriles dans la gestion du stress et de la ressortie de la balle. Et si Darzakarian, on n'en doute pas, a vu le match contre Lens, j'imagine, il devrait essayer de presser assez haut les Rennais, puisqu'on rappelle quand même que le but vient d'une erreur assez grossière dans sa propre surface de réparation de Naïef Aguerd, qui avait peut-être justement un peu peur aussi de redonner le ballon à Gomis derrière lui. Ouais. Il avait d'autres solutions. On peut pas trop expliquer sa tergiversation comme ça. Il aurait effectivement pu la mettre tout de suite à Meiling. Mais ce qu'on regarde, c'est que peut-être les trois quarts du moment où il a le ballon dans les pieds, il tricote en fait et il a la tête baissée. Donc ça arrive. C'est tombé sur lui. Ça aurait pu arriver à d'autres moments dans le match, hein, avec Badé qui a pris des risques par moment dans la sortie de la balle parce que pas forcément de solution. Et pas d'envie de relancer long. Ça aurait pu arriver à Tay qui, dans une volonté de jouer en triangle à la ressortie de la balle, a fait une erreur grossière dès le début de match qui aurait pu être sanctionné par Banza. Hugo Tchoukou s'est retrouvé dans une situation similaire. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment le secteur dans lequel, et on l'avait déjà vu l'an passé, le club fait des cadeaux tout simplement. Très bien, on va peut-être finir sur un petit pronostic de ton côté, Léo. J'ai fait, parce que le Stade Rennais a développé un truc qui est très intéressant, c'est l'Hermiling, donc c'est le pronostic des supporters. Donc il y a tout un truc autour de ça. Et moi j'ai mis, parce que forcément, je suis Rennais, j'ai mis quand même un match avec beaucoup de buts, parce que je ne vois pas, alors je nous vois aller gagner chez vous. Je ne vois pas par contre gagner avec un clean sheet. Donc je vois une victoire 3-2, parce que je pense que notre armada offensive est totalement capable d'aller mettre en difficulté de manière régulière votre défense. Alors ça va un petit peu en contradiction avec les statistiques de notre match face à Lens, mais j'ai envie de voir un jeu offensif. J'aime à penser que notre jeu offensif va se développer, notamment si en plus on peut voir une attaque avec Souleymana et Doku sur les côtés et un Tarry en pointe. Mais d'un autre côté, je pense que défensivement, on est encore un petit peu fébrile, et je vois une attaque brestoise qui est quand même assez
assez impressionnante avec un joueur que j'affectionne particulièrement, la personne de Mounier. Je ne vous vois pas marquer au moins un but dans ce match-là, donc je me dis même qu'une victoire 3-2 du Stade Rennais est totalement envisageable. Parfait, on va passer peut-être au pronostic des Brestois, côté Brestois, Fanch et Yann. Ah, eh bien moi ce sera, on retourne au stade, donc une victoire brestoise, 3 buts à 1, Mounier et un but de Romain Fèvre. Ok, de mon côté ça va être le 1-0 parce que je crois au clean sheet de Marco Bizet, donc ce sera un but de Cardona encore, de mon côté. Et toi Quentin? Moi, ce sera un match nul 2-2, des buts, mais pas de victoire pour aucune des deux équipes. Et finalement, je pense que Brest, ça satisferait d'un point contre un candidat à l'Europe, un deuxième en deux matchs, avant d'affronter Paris. C'est vrai que le début de saison des Brestois, en termes de calendrier, est vraiment pas... C'est peut-être mieux. C'est pas faux. Après, en termes de confiance, ça peut être aussi un peu plus compliqué de se lancer si tu pars direct avec trois valises. Mais pour le coup, vous n'en avez pas pris une face à Lyon, donc elle démarre déjà sur de bons rails. Tout à fait. Alors peut-être un petit point place, mon cher Fanch, avant de terminer. Ouais, j'ai regardé, j'étais sur la billetterie en ligne. Là, grosso modo, s'il nous reste à peu près 400 places, un petit peu moins de 400 places, je dirais, en tribune Arkéa et encore... 770 billets en tribune Brittany Ferries où les billets sont à 4 euros. Donc ce serait vraiment regrettable d'avoir une tribune qui ne soit pas pleine avec des tarifs si bas pour un derby. Pire, une tribune rennaise. Oui, tout à fait. Oui, on rappelle effectivement que les places sont au tarif le plus bas actuellement que dans n'importe quelle tribune d'ailleurs. Et c'est un petit point Larouste, hein, puisque bah, justement Larouste est notamment... réalisé et a été créé par un supporter rennais. Donc la Rouste, ça continue, ça reprend même cette saison avec un concours de pronostics qui a démarré et on a Jocapic. Oui, et le vainqueur de l'année dernière est déjà deuxième, c'est incroyable. Oui, c'est terrible. Je pense qu'il triche. Il doit avoir des contacts au niveau de la Ligue de football professionnel. On salue également Taol hein, qui avait fait un début de journée extraordinaire puisqu'il avait trouvé les trois bons scores sur Monaco-Nantes, Lyon-Brest et 3 PSG. Mais ensuite, ça a été un peu plus compliqué pour notre ami Taol. Sur ce, on va vous laisser après une heure de d'émission et on va vous souhaiter un bon match. Si vous allez au stade particulièrement, bienvenue au stade. N'oubliez pas votre pass sanitaire et votre billet, évidemment, ou votre abonnement. Hein, ce serait dommage. Reprenez les bonnes habitudes. Hein. C'est vrai que moi, d'ailleurs, je pense à ça, Quentin. Il me semble que le stade. Alors, je ne sais pas s'ils le font cette semaine ou pas. Ils n'ont pas communiqué, mais normalement, il y a Francis qui régale ou paye sa tournée en tout cas. Tout à fait. Bah, ce serait logique, hein, puisque le dernier match c'était contre. Après, il y avait eu le côté Lorient, non? Il y a eu plein de matchs, il me semble, où il y a eu 3 buts et du coup, ils avaient dit qu'ils rattraperaient ça. Enfin bref, on verra. On verra. Donc, on remercie Léo qui est venu nous parler du Stade Rennais. Je ne sais pas si tu seras au match ce week-end. Non, je ne serai pas au match. Je ne serai pas forcément très très loin de la région. Je serai dans les Côtes d'Armor, mais évidemment, je serai devant mon poste. Oh là là là, c'est dur. je serai devant mon poste, par contre, pour suivre ça avec attention. Et puis au plaisir, éventuellement, d'en discuter avec vous sur les réseaux sociaux, a posteriori de la rencontre. Tout à fait, absolument. Peut-être on fera un live, on ne sait jamais. Dans la soirée, ça se déroule toujours au dernier moment, donc on verra bien. Eh ben, grand plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça me fait très plaisir de discuter football avec vous. Eh bien, merci à toi. Bon. Tu as été un invité tout à fait pertinent, mon cher Léo. Et on va te libérer comme d'ailleurs Fanch et Yann. Bonne soirée à vous, messieurs dames, dans le chat. Et on salue évidemment Nek et Singa hein, pour leur